Eh bien salut tout le monde, c'est Cacahuète et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur la suite des Quêtes for Beat, donc avec un nouveau succès. Le succès. Déjà je viens de terminer juste celui-ci l'instant. Ouais, comme vous pouvez le voir, parce qu'il faut en fait terminer ce succès. En fait, il faut terminer tous les succès d'avant pour pouvoir faire partie prise. Donc on va lancer tout de suite Quête stratégique avec l'Énale des temps anciens. Alors, bonjour la toile étrangère, ça fait du bien de voir un visage chaleureux. Depuis que ces maudits Wabits sont arrivés, ils s'aiment Telel et Kawat sur notre petite île. Il y a encore quelques années, nous vivions en paix ici, nous nourrissant d'amour et de flèches. Et puis ces monstres sont arrivés sous le temps du sol comme des taupes en lutte. Ce fut terrible. Le pire, c'est que ces lâches n'attaquent qu'en bande. Seuls, ils sont inoffensifs. Mais le dieu Lénal m'a parlé il y a peu et m'a certifié qu'un groupe de valeureux héros viendra à notre secours. Demandez s'il connaît l'utilité des cartes en bois des Wabits. Évidemment, ces cartes appartenaient à mon peuple, mais nos boulots, nous les avons volées. Si tu es d'accord, j'aimerais que tu me lendes celles que tu as trouvées et échange que je t'apprendrai à jouer aux cartes. Alors, les petites cartes. Bon, je vais faire semblant d'être AFK. Désolé, Jeddak. Je suis en vidéo. Alors, carte. Voilà, c'est ces quatre. Enfin, ces petites cartes-là. Donc, que vous aurez presque obligatoirement, puisque vous aurez déjà fait toutes les quêtes. Enfin, quêtes avant. Et ça se drop sur les monstres. Donc, normalement, il n'y aura pas de problème. Ça récompense toutes les agressions que vous êtes pris depuis le début avec les mobs qui vous agressent, etc. C'est la récompense. Nouvelle quête. Nouvelle quête. Carte stratégique. Ramener les cartes, je vais ramener les cartes. Bonjour, la toile étrangère. Il a déjà dit ça. Oh, je n'avais pas vu autant de cartes réunies depuis longtemps. Ma proposition tend toujours. Alors, si tu veux apprendre à jouer aux cartes, poule plumelle, même les plus chanceux des écaflips, fais-moi signe. Demandez comment jouer. C'est très simple. Tu choisis en avance combien de cartes, pièles, feuilles et ciseaux tu souhaites jouer. Sachant que tu ne peux jouer, tu ne peux poser au maximum que 5 cartes. Lorsque c'est fait, tu poses les cartes face cachée devant toi. Je fais pareil, puis nous le tenons. Notre carte, la pielle écrase le ciseau qui coupe la feuille. Qui couvre la pielle. Celui qui a le plus de victoires gagne la manche. Ça se joue en 3 manches. Reviens voir lorsque tu seras décidé à jouer. On est décidé, on fait 2 quêtes d'un coup, c'est super. Là, il a déjà dit. Alors. Commencez la manche. Je te laisse choisir tes cartes. Surtout ne me les montre pas. Ça risque pas, on a un jeu. Alors, jouer 5 cartes de pierre. Voir plus de réponses. 3. Jouer une carte et une carte carreau. Ok, j'ai joué au pif. Vous avez perdu. What? Attends. Déterminer les vainqueurs de la manche. Retenez les cartes. Voyons si la chance du débutant est avec toi. Félicitations, tu m'as battu et tu l'emportes cette manche. Fermez ce dialogue. Quête mise à jour. Je vais sur les cartes. Faire combien de fois cette merde? Alors, commencer la main. Match. 2 cartes pierre et 3 cartes ciseaux. On va faire au pif, hein. Hop, on dit ok. On dit, on lui reparle. Retourner les cartes. Ouah, j'ai encore gagné. Kowat Lénald. Super. Quelle mise à jour le jeu de Lénald. Putain, mais faut faire combien de fois le truc? On va faire 10 000 fois, tu sais, moi je joue toute la nuit. Alors, bonjour, comment c'est la manche? On va jouer 3 cartes de pierre et 2 cartes feuilles. Poser les cartes face cachée, lui dire qu'on l'aime bien, nanana. Retourner les cartes, c'est terminé. Encore gagné, ok, à mon avis on gagne automatiquement. Ah, on a fini la quête, alors. Demander qui a gagné. Tu t'es montré tes habiles et ta victoire est méritée. J'ai rien fait, mais c'est pas grave. Tu feras un lot de table adversaire dans le jeu du Lénald.
C'est un jeu auquel je joue depuis ma plus tendre enfance, et je le tenais de mon père qui lui tenait lui-même de son père. Un jour, peut-être, je t'apprendrai à y jouer. Tous les Lénards à pleine, les legs des leurs plus jeunes âges, car il s'agit d'un jeu initiatique, censé développer la stratégie. Malheureusement, ça ne fut d'aucune utilité lorsque surgirent les Wabbit et leur inculte de voix. Tu as sûrement la fait écouter un vieillard de la dotelle. Alors, conformément à notre accord, je récupère les cartes en bois et à présent que tu sais jouer, donner les cartes en bois. Ok, on a terminé. Oh, nouvelle émote. Wouhou, nouvelle émote. Nouvelle émote. Alors, on va être un familier. Et on va jouer aux cartes. Alors, comment on joue aux cartes? Là, je joue aux cartes. Ouais. Elle est merdique, les mottes. Je balance une carte par terre. À toi de jouer. Et je lance mon Pikachu. Ok, bah d'accord. Vive les mottes. Je m'attendais à mieux, genre rester avec un paquet de cartes dans la main ou je sais pas. Non. D'accord. Bon, et eh bien, on est à combien là? On est à combien? Putain, je bug à mort là. Hein. Presque 4000 points de succès, moi je suis content. Alors, le prochain truc c'est le coup du Wabbit. Quoique Makawatt, le retour des morts vivants, machin. What the fuck, on a presque le succès. Oh le lendemain, pardon. Non. Oh ouais, vas-y, ça va être trop bien ça. 6 V de Wabbit. Bon, et eh bien je vais faire 9 fois tous les machins et on se retrouvera pour la dernière de chaque et je ferai une vidéo spéciale avec la victoire et l'ornement. Bye bye tout le monde!